Bon, avec Arca, eh bien, il fallait pas la rater, vous l'avez pas raté. Voilà, exactement. C'est une double pression parce qu'avant le coup, vous avez la première chance. La déception, ça aurait été d'être second déjà, puis vous être distancé. Donc, c'est des courses pas évidentes à gagner. On a gagné, c'est super. Elle a prouvé que c'était une très bonne jument. Et puis en plus, à côté de ça, elle a pas eu une course dure. Ça a été limpide pour vous. Ouais. Non. Elle a pas puisé dans ses réserves. Mais c'est une jument qui va pas rester là. Allez, soyons fous. Oui. Vous êtes deuxième avec votre jument, c'est un super résultat. Bah oui, on aurait signé tout de suite pour cette place-là. Hein. Bon, c'est parfait. Elle est incroyable, elle met à chaque fois tout son cœur sur la piste. Oui, puis elle s'est assagie, puis maintenant elle arrive à partir un peu mieux qu'elle ne faisait. Donc voilà, maintenant elle va avoir des vacances bien méritées. Bon, disons qu'au départ, elle était tout à fait moyenne, et puis avec le temps, le travail, elle a évolué dans le bon sens, voilà. Comment vous avez vécu la course ? Bon, sans aucun stress, parce qu'on n'avait pas de stress. Je la courais déjà pour faire plaisir à l'éleveur, en nous disant que si elle était cinquième, elle avait une carrière de classique de poulinière, et puis point barre. Bon Joe, Aston Fly, c'est la bonne surprise finalement ? Bah ouais, il surprend un peu tout le monde. Le cheval était bien 8, il a confirmé en course. Beaucoup ont été malheureux, il y a peut-être des chaleurs aussi, plus trois juments, genre bon ça suffit pour nous pour être